Bonjour, bienvenue sur Atomic.fr. Nous allons vous parler aujourd'hui de la Gamo Delta Cadet, l'entrée de gamme de chez Gamo. Alors, le produit est présenté comme une carabine junior. Alors, vous allez me dire, junior, c'est moins de 18 ans. Est une carabine, c'est interdit à la vente aux moins de 18 ans, certes. Mais un grand-père ou un papa peut très bien offrir une carabine à un enfant. Je suis désolé de vous dire ça, moi j'ai eu ma première carabine à 10 ans et ça m'a aidé à passer des étés à la campagne pour pas que je m'ennuie. C'était super. Donc on est dans une carabine qui est aux alentours de 100 €, vous la retrouverez en différents packs aux alentours de 109-119 € avec des plombs, avec des cibles, avec une lunette. Je vous invite à aller découvrir ça sur le site internet. Carabine d'une puissance de 6,5 joules, donc pas très puissante, normal, c'est censé être une carabine pour les juniors. Un poids de 2,1 kg, la moins lourde de toute la gamme Gamo, une vitesse de 160 mèmes secondes. Alors les applications pour cette carabine qui est très courte, elle a une longueur de 94 cm seulement, et je rappelle que son calibre est de 4,5 mm. Alors c'est bien pour faire du tir sur cible, pour se faire des petits oiseaux, mais en général faut éviter de se faire des petits oiseaux parce que c'est pas des nuisibles. Si on se fait des gros oiseaux, on sera sur de la pie ou du corbeau freux. Et avec ça va être un peu juste, même en mettant du plomb ultra rapide genre PBA Armor ou Rocket ou Red Fire, on va être un petit peu juste, mais bon, ça faudra se rapprocher. Voilà un produit. Alors la crosse est en synthétique, on voit une plaque de couche sympa, le plastique est assez agréable au coup de toucher, la carabine se cale bien, elle est ambidextre. On notera que le canon est relativement gros, ce qui permet d'avoir une certaine stabilité au niveau du tir. Malheureusement on n'a pas le système trouglot au niveau de la visée, mais le système de visée est quand même très efficace avec l'ajustement de la mire en hauteur. Bref, un excellent produit, nous on aime, c'est un best-seller de chez Gamo et vraiment il faut pas hésiter à offrir ça à un junior, ça le responsabilise et ça lui apprend à manipuler ce genre de choses en sécurité parce qu'on reste sur du 6,52 joules, donc c'est pas très très puissant mais ça reste quand même assez puissant pour s'amuser. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur atomic.fr.